sur Vendée Vintage TV Show. On est de retour encore sur le prieuré Saint-Nicolas. Et ce matin, nous sommes avec Lorenzo qui va nous présenter une voiture atypique, mais ô combien intéressante. Alors, Lorenzo. Bon, donc voilà un buggy de 1971. Voilà. Pardon. Et du coup, c'est une base et un châssis coccinelle. Ouais. Où la coque a été retirée. En fait, ils viennent poser une coque par-dessus. D'accord. Il y a eu plusieurs fabricants, mais là, c'est un châssis de coccinelle qui n'a pas été raccourci. La plupart des buggy, c'est des châssis coccinelles raccourcis. D'accord. Alors, on va faire un petit tour pour montrer un peu aux téléspectateurs, téléspectatrices, la voiture. On va parler un peu de mécanique en même temps, rapidement. Lorenzo, voilà. Donc, c'est ton buggy donc, de 1971, c'est ça? Ouais. Propriétaire depuis bientôt 18 ans. Ah, quand même. Bien. Et la carrosserie, c'est du polyester, non? C'est que de la fibre. C'est que de la fibre. La carrosserie est en fibre. D'accord, très bien. Okay. Châssis moteur de la coccinelle et toute la carrosserie en fibre. D'accord. Alors, on va faire un tour, on va montrer l'intérieur. C'est... On peut passer dans partout avec ça, c'est ce que je disais à mon fils tout à l'heure, on peut aller dans le sable avec. On pouvait aller dans le sable, là j'évite. Ouais. Oui, parce qu'en fait tu passes une demi-heure dans le sable, 4 heures à nettoyer. D'accord, donc on va éviter. Et donc là ici, bah, le moteur... Moteur de coccinelle, un 1600, double admission et tout. Ouais. Classique. D'accord. Waouh, c'est super. Et puis là, bah, je fais un plongeon sur l'avant là, de la voiture. Vas-y. Donc voilà. Alors je vois qu'on a un changement, on a une boîte de vitesse. 4 rapports comme sur la coccinelle. D'accord. Ok. Hop là. Petit coup de skateboard sur l'accélérateur, petite modif qui m'a pris 3-4 heures. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, effectivement, on voit ça. Pour donner un côté, comment dire, un peu plus... Bord de mer. Bord de mer, voilà, c'est ça. Ben voilà, ben ok, ben ça marche. Ben Lorenzo, merci beaucoup merci pour ton accueil. Et puis, je pense qu'on sera content de voir une voiture qui est vraiment adaptée pour le bord de mer, hein, puisqu'on y est, à hein, la ici. Base, c'était des coques de bateau, les sièges de bateau. C'était vraiment inspiré de la culture des bateaux quand les buggy ont été faits. Et voilà, c'est ça, exactement. Une voiture aussi, comme le combi, une voiture qui appelle à la liberté de mouvement. Et... C'est la même génération c'est que ça, les combis, ouais. Les coccinelles. Ça exactement. On les retrouve dans les mêmes rassemblements. C'est ça, c'est super. Bah, merci encore, Lorenzo, pour ton accueil sur Vendée Vintage TV Show. Et puis à bientôt, merci peut-être. À toi. Merci. Bonne journée. Bonne journée.